Les amis, on se retrouve aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, pour tester les meilleures applications de Oogie Woogie. Et oui, oui, vous avez entendu, on va aujourd'hui tester plein d'applications de Poppy Playtime. Et regardez-moi ça, j'en ai sélectionné plus de 8 qui sont, eh bien, tout autour de moi. Et vous savez quoi? Eh bah écoutez, dès maintenant, il y en a une qui me tente bien, mais en tout cas, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, puisque évidemment, je vais te dire quelle est la meilleure application Oogie Woogie à laquelle tu pourrais jouer toi aussi. Et puis, bah les amis, dès maintenant, vous savez quoi? Avec toutes ces applications-là, il y a une application qui s'appelle Poppy Squid Game, et franchement, rien qu'au nom, je pense que ça peut être du lourd, et c'est pour ça que dès maintenant, on va se lancer ce jeu. Mais évidemment, avant qu'on fasse ça, abonne-toi à la chaîne, like tout de suite la vidéo, et vous, c'est parti, lançons sans plus tarder notre premier jeu qui va donc être, eh bien, Poppy Squid. Ok, donc du coup, voilà, nous voici un petit peu dans l'interface. Poppy Squid, je sais pas du tout ce qui nous attend, mais ok, ah, ça y est, ça commence pas mal. On doit dès maintenant sélectionner un personnage. Alors, soit on prend lui, ou sinon... Ouais, bah en vrai, lui, il est stylé. Oula, oula, d'accord. Ok, j'ai bien l'impression, les amis, que nous sommes dans le 1, 2, 3 soleil. Et bah écoutez, dès maintenant, c'est parti. Oh, ok. Ok, ok, on doit plus bouger là pour faire la statue. Allez, ok, c'est parti. En plus, on a que 20 secondes pour le faire. Allez. Allez, ouais, c'est bon, on a réussi. Allez, let's go, cours, 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 cours. Oh. Si on bouge, je crois qu'on se fait tuer, les potes. Et normalement, allez, 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 c'est bon. C'est parti, let's go. Oh, les potes, je crois que maintenant, on doit survivre, et bah, pendant 30 secondes dans la nuit. Non, on se fait tuer, non. Il nous a mis une grosse baffe, d'ailleurs, les potes. Bon, allez, on va retenter notre chance, les amis, hein. Pas de nouveau jour, il faut qu'on y arrive. Allez. Bon, comment ça, les gens, vous voulez m'attaquer, hein? Allez, c'est parti, on a 30 secondes pour survivre. Il faut faire attention. Alors non, par contre, toi, tu m'attaques pas. Ouais, mais il y en a, ils ont des lances et tout, ouais. Alors lui, il a un marteau, ouais, non. Oh là, lui, il a un 4. Mais ouais, je regardais la hache du boucher qu'il a, le frérot. Non, 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 c'est... Y a pas moyen, hey, je veux vraiment qu'on y arrive. Allez, c'est parti, laissons-nous une nouvelle chance. Et là, on va y arriver. Mais franchement, pour l'instant, j'adore ce premier jeu, hein. Franchement, pour l'instant, c'est le préféré que j'ai eu pour l'instant. Bah, en même temps, on en a fait que en même temps. Donc bon, voilà, normal. Mais... Oh les gars, vas-y, j'y arrive pas à cette étape. Bon, bref, vous savez quoi? C'est qu'on va se laisser une dernière chance. Et si j'y arrive pas, on changera malheureusement de jeu. Mais vous inquiétez pas, parce qu'il y en a 7 autres qui nous attendent. Donc les amis, je pense qu'on va bien s'amuser. Allez, concentrons-nous. On doit survivre pendant 20 secondes. Allez, hop, tic, ok. C'est bon, on est passé par là. Vas-y, allez, par là. Ouais, ok, c'est bon, on est passé. Pour l'instant, on se fait pas attaquer. Oh les gars, on va se mettre dans le coin là. Ok, on va rester dans le coin comme ça. Je pense qu'il y aura pas de personnes qui vont venir m'embêter. Oula, il y a un mec avec sa hache qui veut me dézinguer là-bas. Ouais, ok, 4 secondes. Allez, on va survivre. Allez, oui, et c'est bon. Allez, c'est moi sortir. Ah, balalalala. C'est bon, nickel. On a réussi à passer le jour numéro 4. Découvre maintenant ce qu'il faut faire. Oh, le jeu du biscuit. Oh non. Je crois que si je me trompe, Oogie Woogie va me manger. Allez, on va choisir cette boîte. J'espère que ça va pas être... Oh, les gars, c'est le pire biscuit. Oh là, ok. Bon, on n'a pas beaucoup de temps, donc je crois qu'il faut cliquer tout autour du biscuit. Allez, oui, oui, c'est bon. Oh, mais c'est bon. Oh, mais c'était simple, en fait. Il fallait juste cliquer tout autour. Oh là. Les gars, je crois qu'on a un grand parcours à faire avec dans... Enfin, c'est la mer à Oogie Woogie. Regardez, il y a des Oogie Woogie partout autour de moi. Salut les Oogie Woogie, vous voulez quoi? What? Bon, allez, c'est parti. Là, il faut esquiver ça. Oula, oula, là, il y a un petit truc là. Ok, on va l'esquiver. C'est parti, les amis. Allez, on peut le faire. Allez, on passe par ici et par là. What? Mais ils sont tous morts. Mais what? Mais ils sont tous morts. Il n'y a plus que... Attendez, faut pas que je me remonte non plus. Par contre, les gars, il me reste plus que 10 secondes pour arriver à la ligne d'arrivée. Allez, je peux le faire. Allez, 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 et... Oui! Let's go! On a survécu au jour numéro 6. Mais franchement, eh, les gars, ce jeu est vraiment trop cool. Je mets vraiment... Vous savez quoi? Et dans les commentaires, vous noterez à chaque jeu qu'on fait une petite note sur 10. Mais pour l'instant, je surkiffe ce jeu. Alors écoutez, dès maintenant, ce que je propose, c'est qu'on se lance directement le Poppy Clash. C'est parti. Ok, regardez-moi ça, là, on a un petit Oogie Woogie qui est tout content, les gars. Alors, je connais pas du tout le but, du coup, de cette fois-ci, de ce jeu maintenant. Alors, vous pouvez voir qu'on a des petites pièces qu'on peut récolter. Je pense qu'on doit faire des petites missions. Et on peut donc bouger. Ah, ok. What, attendez, par contre, c'est moi ou mon Oogie Woogie, il a une arme? Ah, d'accord, si on arrête de cliquer, par contre... Oh, ok, on fait une armée du Oogie Woogie, en fait, regardez-moi ça. Alors, je sais pas combien on est là, mais attendez. Oh, on va les fusiller. Allez, allez, le Oogie Woogie, on est plus fort. Brrr, allez, est-ce que c'est bon? Normalement, on va gagner, je pense. Alors, par contre, on perd des personnages, là. On perd des petits Oogie Woogie. Allez, tirez plus fort, tirez plus fort, tirez plus fort.
Ouais, ok, bon. Maintenant, Ike, il faut tirer sur la la rambarde. Allez, on monte le Wiggy Wiggy, allez. Oh, 100 pièces, ok. Bon, je pense que vous avez compris le petit jeu. Ah, et du coup, c'est pour ça qu'après, en fait, on peut améliorer la puissance de l'arme, des pièces. Bah écoutez, vous savez quoi? On va améliorer ma petite arme, comme ça, elle va être un peu plus puissante. Alors, on peut choisir 3 personnes là. Ok. Peut-être... Oula, oula, wow. Alors là, on a un bouton rouge, je sais pas si c'est une bonne idée qu'on aille dessus. Oh mince, on l'a esquivé. Bon bah du coup, voilà, hein, comme ça, y a pas de problème. Allez hop, c'est parti, on saute ici, et let's go. Cette fois-ci, du coup, notre AK est beaucoup plus puissante. Voyons voir les dégâts qu'elle fait. Oh ouais, d'accord. Et regardez les dégâts qu'elle fait. Il y a presque aucun de mes Wiggy Wiggy qui est mort. Allez les potes, là on prend 200-300 pièces les gars. Allez, montez, montez, montez. Ouais, oh, même le coffre. Mais il y a quoi dans le coffre mystère? Plein d'argent, 500 pièces les gars, ouais, oh, let's go. Eh les potes, on va devenir salement riche. Hein. Et bah écoutez, vous savez quoi? Si vous voulez que je partage cet argent avec l'un d'entre vous, abonne-toi et like tout de suite la vidéo. Ok, bon maintenant qu'on a plein de pièces, on va améliorer un petit peu nos armes. On peut même améliorer notre bouclier, ok. Et maintenant, on va essayer de faire la plus grande armée de Wiggy Wiggy. Waouh! Ok, bon là j'ai un super pouvoir pour aller super vite. Oh, j'ai pris une bombe. Oh, c'est un boss! C'est un boss, les gars! Alors, par contre, comment on va le tuer, lui? Oh! On peut utiliser la bombe, faites voir! Oh! Let's go! Mais les gars, mais c'est ultra incroyable, la bombe! Eh, mais je surkiffe le jeu. Sérieux, il est incroyable. Bon, là, par contre, le problème, c'est qu'on n'a pas... On n'est pas monté très haut. Oh, quoique, encore une fois, le coffre! Encore une fois, je crois que c'est 500 pièces. Voilà, parfait, ça nous fait un total de 600. Et on va pouvoir, peut-être, encore une fois, améliorer notre arme. Et je pense qu'on va peut-être même bientôt débloquer Kissim ici, les potes. Ok, bon allez, on améliore un petit peu plus notre fusil. Oh, on peut prendre des pièces ici les potes. Allez, un maximum de pièces les gars. On va prendre toute l'armée avec nous. Oh, on est combien là? Mais regardez-moi l'armée qu'on est. Alors par contre là, oh non, on a perdu beaucoup de gens là. Oh non. Bon allez, c'est pas grave, on perd pas espoir les amis. Il faut qu'on gagne. Oh là par contre, j'ai peur qu'il y ait beaucoup de gens là. Oh non, ça va, on a directement le coffre. Oh mais la chance. Même pas besoin de fusiller des gens qu'on a déjà le coffre. Et bah écoutez, découvrons la récompense qu'elle nous donne. Oh, les gars, je sais pas ce qu'on a gagné, mais let's go! Nouvelle récompense, on a gagné plus de 660 pièces d'or, les potes, mais on est trop riches. Et je crois qu'à la prochaine partie, on va pouvoir débloquer Kissimissi. Allez, bon, pour l'instant, ce jeu-là, en vrai, il est cool, vous voyez, mais je pense que le premier avec le Squid Game, il était quand même un peu mieux. Hein. Dans tous les cas, dans les commentaires, vous verrez bien tous les jeux et vous me direz lequel vous préférez. Allez, on va gagner, notre armée de Wiggy Wiggy est bien plus puissante que la vôtre. Allez, bon, c'est parti, on est en train de tuer des gens. En vrai, on est... Oula, oula, attendez, mais ils sont trop forts, ceux-là. What? Mais ouais, mais ils sont trop forts. Oh non, on a perdu. Attendez les gars, je crois que ces Wiggy Wiggy veulent vraiment faire la bataille parce qu'ils sont tellement forts. Bon, malheureusement, on a perdu à cette bataille. Mais vous savez quoi? On n'abandonne pas la guerre puisque dès maintenant... Oh, oh, on peut choisir un petit coffre. Ok, 135. Vous savez quoi? Celle-là, je la sens bien. Oh, ok. Bon, celle-là, celle-là. Allez. Oh non, que des pièces. Bon, je sais pas si on pouvait débloquer d'autres trucs. Mais en tout cas, voici le second jeu. Bon, lui, j'ai mis une note de 7 sur 10, on va dire, il était un peu moins ouf, mais franchement, plutôt cool. Allez, dès maintenant, faisons-nous quelques frayeurs avec le jeu Horror Poppy Playtime. Allez, maintenant, faisons-nous quelques petites frayeurs avec le jeu Horror Poppy Playtime qui est juste là. C'est parti. Comment ça va marcher? Déjà, vous pouvez le voir, on a des petites touches juste là. Ok, donc c'est parti, nouveau jeu. Ok, on a que 5 vies. Déjà, vous pouvez le voir que là, on n'est plus sur... What? Oh, les gars, mais c'est trop bien! Attendez, et on peut bouger et tout genre. Mais les gars, mais le jeu, il a l'air incroyable. Alors par contre, je crois qu'il doit y avoir Wiggy Wiggy qui est quelque part. Ah ok, je pense que le but du jeu, c'est de pas se faire attraper par Wiggy Wiggy. Par contre, on doit se déplacer dans une maison qui, ma foi, a l'air de faire un petit peu peur. Bon, écoutez les amis, c'est pas grave. Entrons dans cette maison et découvrons qu'est-ce qu'on peut y retrouver. Alors par contre, il y a une petite carte en haut à droite, là, en haut à gauche à mon niveau. Alors là, les potes, je sais pas. Oh, what? Non, mais les gars, what? Il y a Wiggy Wiggy! Il y a Wiggy Wiggy, les gars! Wow, ok, ok! Bon, faut que je me dépêche, faut que je me dépêche! Alors après, j'ai des mains, je sais pas ce que je peux faire avec, peut-être que je peux le taper. Faites voir. Je peux le taper ou pas? Non? Non, ça marche pas! Non! Non! On peut même pas le taper, les gars! Mais what? Mais c'est trop dur! Il nous a mis une de ses teutards en plus, les gars! Bon, est-ce qu'il n'y a pas moyen de courir? On dirait pas. Écoutez, les amis, on va essayer de comprendre l'objectif. Alors, je pense que l'objectif, c'est peut-être de sortir de la maison. Alors, est-ce que Wiggy Wiggy ne... What? Non, non, mais les gars, il est trop fort. Oh, il m'a pas vu. Bah, let's go. Oh, il m'a vu. Ok, on ferme la porte.
Ok, je peux la fermer ou pas? Oui. Non mais what, il passe à travers. Mais non, mais c'est beaucoup trop dur. Ah les gars, non mais en vrai les amis, c'est cool parce que le jeu, il a vraiment un potentiel, mais il est super compliqué. Bon, écoutez, vous savez quoi? On va essayer de aller à un autre endroit. On va essayer d'aller à droite, peut-être que ça peut marcher. Oh, what? Kiwoki, il est où là? Ok, bon, je me suis salement blessé par contre là. Allez, il faut qu'on se dépêche. On va essayer d'enlever ça. Ah, j'ai mes mains. Ouais, non, allez, ouais. Attendez, mais oui, bah vas-y, je veux enlever ça. Oui, allez, non, 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 non. Non les gars, ce jeu il est trop dur les amis. Bon, écoutez, ce jeu là on va mettre 5 sur 10 parce que franchement, il y a du potentiel, mais il est tellement compliqué les gars. Bref, dès maintenant, on va essayer. Oh, Poppy Playtime, il s'appelle le jeu. Avec le petit logo de quand on est dans la cave, vous savez quoi? On va se lancer. Oh, oh. Ok, donc il y a Wiggy Woogie qui est là pour l'instant, tranquille. Ok, donc niveau 1. On peut soit se cacher, soit chercher tout simplement. Bon, vous savez quoi? On va se cacher pour commencer. Ok! Oh! Ok, vite! Il faut se cacher, on a 5 secondes pour se cacher. Je crois qu'après, Oogie Woogie va débarquer pour nous choper. Alors, par contre, on va pas se laisser faire. Allez, on va y aller. Hop, on a 25 secondes de survie. Ok. Oh! What? Regardez! Il y a Oogie Woogie qui capture tout le monde et qui prisonne. Oh, on peut peut-être les libérer. Regardez, il y a écrit Help Me. Allez, on va les libérer. Hop, c'est bon, on les a libérés les potes. Alors par contre, ouais, mais ils sont trop nuls ces prisonniers, ils se font capturer juste après. Oh mais en tout cas, il est trop stylé ce jeu. Il est mieux que celui d'avant. Lui, je lui mets 8 sur 10 pour l'instant, j'ai compris un petit peu le concept. Allez, on va peut-être libérer des petits gens là qui ont été capturés. Ouais, let's go. C'est bon, j'ai réussi pour l'instant. Allez, on va faire next, et vous savez quoi? Cette fois-ci, c'est moi qui vais être Oogie Woogie. Allez, c'est parti les mecs, allez vous cacher. Bon, j'espère qu'ils sont tous partis se cacher parce que les amis, je vais maintenant les attaquer. Alors, où est-ce que vous êtes? Ah bah alors, il y en a un qui était là. Allez hop, c'est capturé. Bon par contre, il faut pas laisser les gens les libérer parce que sinon, bah après ils sont tous là, tu vois. Ah, il y a un mec là. Trouvé. Ok, bon, on va rester un petit peu dans le coin. On va essayer de fouiller un peu. Il reste plus qu'une personne à trouver. Oh, elle est là. Ouais, oh non, il reste deux personnes, je crois, à trouver. Deux personnes, vite, 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 j'ai pas beaucoup de temps. Ok, une dernière, il me reste une seconde. Non, 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 non. Mais il était où le dernier? Ah non, non, mais c'est pas possible. Bon, écoutez, on va réessayer. Ah, là au moins on peut les voir. Allez, c'est parti, je vais tous vous trouver les gars, je vais vous choper. Alors, il y a une personne où... Attendez, si je touche sur le truc bleu, ça fait quoi? Ah, ok, bon bah ça fait rien. Ok, alors, où est-ce que vous êtes les gars? Alors par contre, je... What? Mais attendez, ils sont invisibles. Ils sont invisibles ou je rêve? Mais what? Mais c'est trop compliqué. Attendez, mais comment vous voulez qu'on les trouve? Ils sont invisibles, les gars. What? Ah, mais après, ils laissent des traces, ok. Ah, ouais. Ok, bon, le problème, c'est que c'est vraiment compliqué parce qu'en fait, on voit pas forcément où ils sont. Après, ça rajoute de la difficulté. Bref, ce jeu-là, moyen, on va dire, allez, un petit 6 sur 10. Et on change directement de jeu. Alors, écoutez, voilà, regardez juste là, nous avons un jeu qui s'appelle Guess or Die. Bah, écoutez, les amis, vous savez quoi? Lançons-le, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on est censé faire? On est un petit loulou. Et, ah, ok! Ah, c'est le même jeu que tout à l'heure, en fait. Je crois qu'on l'avait déjà fait dans le Poppy Squid Game. Ouais, on l'avait déjà fait ce petit jeu, faut deviner en fait, vous savez, le petit logo qu'il y a juste là. Alors attention, qu'est-ce que c'est? Le 2! Alors le 2 c'est là, Oogie Woogie. Voilà, je me trompe pas. Bon, on va quand même gagner cette manche et puis bah après on changera de jeu parce qu'on l'avait déjà fait. Alors les petits Oogie Woogie, vous voulez faire quoi? Le 6! Allez hop! Bam! Ouais, ok, c'est gagné. Bon, ce jeu-là, on l'avait déjà fait, donc du coup, bah ouais, bah en vrai, il est cool. Il était sympa. On va dire 7 sur 10. Essayons dès maintenant le jeu Poppy Money Run. Let's go! Voyons voir un petit peu qu'est-ce que ce jeu peut donner. J'ai l'impression que grâce à ça, on pourrait devenir super riche. Voilà qui est intéressant. Ok, alors on a un petit Oogie Woogie, comme vous pouvez le voir, et on débloque des petits trucs d'énergie. Ok, très bien. On prend de l'argent aussi, let's go. Oh, il y a un monsieur! Une madame, je sais pas trop c'est quoi. Alors, soit on lui fait un jutsu, ou soit on lui met une fessée. Attendez, c'est moi qui... Attendez, faites voir, ça fait quoi? Mais je rêve ou quoi? Il lui a mis une grosse fessée au monsieur, et il est tombé amoureux, on dirait bien. Ok, d'accord. Oh, salut Kissimissi. D'accord, et bah écoutez, les amis, incroyable. Je savais pas qu'un truc pareil, c'était possible. Oh, on était à deux doigts d'aller tout en haut. Bon. On a eu un x10, c'est pas mal. Let's go. Ok. Bon,
Alors, ce jeu est what the fuck. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Oh, regardez, on a débloqué un truc du Squid Game. Ah, là, je crois qu'il faut éviter les araignées. Ok, bon. Faut éviter, comme vous pouvez le voir, les araignées. On redevient Oogie Boogie. Allez, c'est parti, on prend l'énergie. Tac, et on va directement remonter tout en haut. Allez, dites-moi que là, j'ai assez de jus pour monter tout en haut. Non, malheureusement, on a que le x3. Ok, bon. En vrai, ce jeu, il est cool. J'aime bien, bon, à part la scène de la fessée qui était un petit peu bizarre, c'était plutôt drôle sinon. Écoutez, oh, Oogie Boogie est tout seul emprisonné dans l'île. Oh, ok. Bon, alors là, on peut choisir un caractère, un personnage. Soit la princesse, soit Oogie Boogie, soit le monsieur. On va prendre Oogie Boogie, vous le savez, c'est le jeu de Oogie Boogie, donc on va prendre Oogie Boogie quand même. Allez, oh là, oh mince, oh mince. Ah, je crois qu'on va devenir des Squid Game. On a un monsieur. Alors, soit on va lui mettre une fessée, oh, un petit bisou, ou le maître déshabillé. Bon, on va faire un bisou plutôt, on va faire un bisou, hein, c'est mignon. Oh, regardez-moi ça, oh, c'est de l'amour, oh, trop mignon. Ah, ils sont tout contents. Eh ben, écoutez, pour l'instant, d'accord. Ok, alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Oh, un petit jeu. Alors, est-ce que vous voulez qu'on joue ou qu'on refuse? Eh ben, évidemment, on est des joueurs. Allez, jouons. Ah, ok, le jackpot. Le jackpot, oui. Ouais, c'est le jackpot ou pas? Oh, ouais, je crois que c'est le jackpot, ça, ouais, on a bien gagné, là, 200 pièces. Les gars, je pense que c'est maintenant l'heure de pouvoir monter tout en haut. Oh, un nouveau monsieur. Les gars, il faut que je lui soutire de l'argent, les gars. Alors, oh, elle a une grosse claque. Poum. Oh non, il a le cœur brisé, j'ai perdu des points. Non, ok, bon, c'était pas la bonne stratégie, là. Oula, par contre, là, les gars, oh non, ça partait bien, mais là, je perds trop d'énergie, là. Je perds trop d'énergie, oh non. Ok, une petite pièce. Allez, on peut monter tout là-haut. Ok, c'est pas mal. Oui. Non, on était presque tout en haut. Eh, dommage, dommage les gars. Mais en tout cas, franchement, ce jeu-là est vraiment pas mal. Je valide, on va dire, un petit 8 sur 10. En tout cas, les amis, avec tous les jeux qu'on a fait, il nous en reste plus que 2 sur la liste. Et oui, on en a fait tellement en même temps que du coup, c'est parti. Découvrons dès maintenant le jeu suivant. Je crois que c'est un jeu qui s'appelle Oogie Woogie Hide and Seek. Donc, c'est-à-dire un petit peu un jeu de chercheur comme tout à l'heure. Sauf que là, les amis, j'ai l'impression que c'est un petit peu différent. Parce que regardez-moi ça, on est en vue première personne. Alors là, qu'est-ce qu'il faut faire? What? Attendez. J'ai rêvé ou quoi? Il vient de le découper en deux. Ah, là on est du coup dans l'équipe des Among Us. Ah, il faut se cacher, ok. Il faut se cacher et il faut pas que Oogie Woogie nous trouve. Salut Oogie Woogie. Waouh! Ah ouais, par contre il court vite. Ah ouais, ok, j'avais pas prévu ça. Alors après, qu'est-ce qu'on a là? On peut le taper peut-être ou pas? Ok, 3 secondes. Oh, attends, on va essayer de le taper. Ok, vas-y, boum. Oh, on peut le taper, mais c'est trop bien. Alors les gars, je valide le concept. Je surkiffe le concept. Alors par contre, hop, on va les choper. Alors toi, déjà, hop, toi, c'est ciao. C'est tellement violent par contre. Allez, toi aussi, à plus. Et le petit dernier, il est là-bas. Allez, on a 15 secondes pour le choper. Poum. C'est bon, nickel. Eh, ce jeu est trop bien, j'aime beaucoup. Ok, on est de nouveau Oogie, donc ça veut dire qu'on doit essayer d'aller tous les choper. Alors toi, le petit Among Us, là, hein, tu te comptais aller où comme ça? Allez, hop, grosse claque dans ta tête. Ok, bon, ensuite, qui on a? Oh, lui? Bah, tu veux aller où comme ça, mon petit garçon, là? Allez, reviens là, reste sage. Allez, découvrons un petit peu le niveau 4. On est de nouveau Oogie Woogie et on va devoir tous les choper. Alors, il y en a un qui est là. Voilà, par contre, j'arrive pas à avancer. Ah, ok, c'est bon. Eh, vous deux, là, hop, tac, boum. Eh, les gars, wesh, on a mis une claque de mort. Ok, d'accord. Alors, toi, grosse patate de forain, toi aussi. Eh, vas-y, viens là. Ok, nickel. Bon, bah, écoutez... Pour l'instant, ce jeu aussi, il est sympa. On va mettre un petit 7 sur 10. Et puis, bah écoutez, les amis, avec tout ça, je crois que malheureusement, il nous reste plus qu'un dernier jeu. Alors, ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, mais attendez. Oh, mais c'est le même jeu que tout à l'heure, sauf que là... Ok. Là, c'est en vue première personne. Oh, c'est beaucoup plus stylé, par contre, là. Eh, toi, je te chope. Oh, mais c'est trop bien. Mais c'est beaucoup trop stylé, les gars. Regardez-moi ça. On est en vue première personne et on doit choper tous les petits gars, là. Alors, par contre, c'est compliqué. J'ai l'impression qu'il avance doucement. Regardez. Lui, il marche dans du truc rouge. Et en plus, regarde, on a même un petit peu d'aide. Bon, en vrai, eh, ce jeu-là, là, comme ça, c'est facile. Eh, alors, toi, par contre, je t'échappe. Regarde, hop, et let's go. Ok, normalement, c'est gagné. Ouais, ok, on a gagné, parfait. Et bah, écoutez, next, c'est parti maintenant. Cette fois-ci, on va se cacher. C'est parti, là, on est un petit gars qui se cache. Et il faut donc éviter le gros Oogie Woogie qui est juste là. Wow, wow. Il bombarde Oogie Woogie, ok, bon. Il veut absolument nous capturer, on dirait bien. Ok. Ok, on va passer par ici. On va passer par là. Ouais. Regardez, regardez, il est juste là, Oogie Woogie. Wouah. Ok, bon, normalement, on devrait survivre. Oh, on peut les libérer aussi, les gars.
On peut tous éliminer. Oh non, on s'est fait choper. Non. Oh là 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 là, les amis, on s'est fait choper. Comme vous pouvez le voir, je suis dégoûté. Non, et vraiment, les amis, on ne va pas se laisser faire. Bien sûr que non, il ne va pas nous choper. Il faut qu'on refasse le jeu. Allez, cette fois-ci, on va y arriver. 30 secondes pour ne pas se faire capturer par Oogie Woogie. Ok, regardez, il y a tous mes potes qui se font capturer. Oh là, ils bombardent. Oh là, ok. Ok. Ok, on va les libérer. Vas-y, c'est bon pendant qu'Oogie Woogie est pas là. Ouais, let's go. Ok, ouais, bon, ok, pour l'instant, ça va, on se débrouille pas trop mal. On doit survivre encore pendant 10 secondes. Oogie Woogie nous voit pas. Allez, oh là, il vient droit sur nous par contre là. Il vient droit sur moi. Ok, on va aller vite, on va les libérer, mes potos. On va les libérer. Let's go. Ok, normalement, c'est bon, on a réussi. Faites voir. Attendez, je vais pas crier victoire trop vite. Ouais, c'est bon, you win. Let's go. Et bah écoutez, on va mettre 5 étoiles pour ce jeu. Les amis, franchement, j'ai adoré cette vidéo. Alors quand même, mon jeu préféré de toute cette vidéo, c'était quand même le premier parce que je l'ai trouvé tellement stylé par rapport aux autres. Dans les commentaires, dites-moi à vous quel a été votre jeu préféré. Et n'hésitez pas aussi à me proposer dans les commentaires des idées de avec quel personnage on pourrait faire ce même style de vidéo. Et sur ce, les amis, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une bonne fin de soirée et à la prochaine. Allez, ciao, ciao!